Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire cette vidéo, c'est une vidéo haul. J'ai passé une commande sur le site de Julie, il manquait certaines choses. Donc je viens juste de recevoir mon colis. C'est plus DHL maintenant, c'est un autre transporteur. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long, mais c'est beaucoup moins cher au niveau de la livraison qu'avant. Il faut prendre son mal en patience. Alors, je vais vous montrer le colis. Vous voyez, il est toujours très très bien emballé, comme d'habitude, hein, il n'y a aucun problème. C'est super. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y avait eu en fait une promotion juste avant les soldes. Il y avait 3 jours, c'était à moins 15%. Donc j'en ai profité pour passer ma commande. Mais sinon, sachez que vous avez avec le code SLELIA10, je vous mets. De toute façon, le code est toujours en barre d'infos sur ma chaîne. Vous tapez le code sur le site de Julie et vous avez moins 10% en permanence. Donc c'est génial. Voilà. Donc je vais enlever tous mes. En fait, j'avais besoin de nettoyant pour le visage parce que je viens de terminer mes produits, enfin j'ai terminé pas mal de choses, donc j'ai allumé mon ordinateur et comme ça je vais pouvoir en même temps vous dire ce que c'est parce que franchement je me souviens plus de ce que j'ai commandé. J'ai commandé un nettoyant pour le visage qui s'appelle Willow Charbon Cleanser. Bon, ça se présente comme ça. C'est un produit qui était en réduction. Il est à 19$. Tous les produits sont affichés en dollars canadiens. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'avais envie de tester ça. C'est vrai que pour l'été, c'est des produits vraiment qui me vont bien. J'ai normalement une peau normale en hiver. Et en été, bon, il fait chaud, j'ai envie de produits pour les peaux mixtes. Et c'est vrai que je connais pas. Voilà, je connais pas, j'avais envie de tester, il était en réduction. Plus les moins 15%, donc c'est intéressant. Voilà, donc je vais tester ça. Il y a du charbon dedans, il y a de l'aloe vera, de l'huile de coco, de la citrine, de la mamélisse. Il y a aussi, j'ai vu, du tea tree. De la menthe, non, ça va être sympa, ça va être super sympa. C'est fermé, donc je vous en reparlerai dans une vidéo. De toute façon, vous le verrez dans les produits terminés, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai eu envie de tester de la marque Ococo Cosmetics. Ça, c'est une marque que je connais. J'ai déjà les huiles pour le visage qui sont superbes. Et là, attendez, Ococo Cosmetics, j'ai voulu tester le purifiant détox noir qui se présente comme ça. C'est un masque pour le visage. J'adore cette marque. Franchement, les produits sont très très bons. Bon, les packagings sont magnifiques. Chez vous, voilà. Ça se présente comme ça. C'est très joli. Voilà, très 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 joli. C'est une poudre masque. C'est un masque en poudre pour le visage. Et vous avez la petite cuillère avec. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Franchement, j'ai hâte de tester ça. C'est vrai que j'adore les masques en poudre. C'est une très très belle marque. Et puis moi, les masques en poudre, on peut les mélanger à de. Bon, je la mélange à une brume thermale. Mais vous pouvez la mélanger à de l'hydrolat. Vous pouvez y rajouter des petites gouttes de votre soin pour le visage. Enfin, on peut vraiment l'utiliser de différentes façons. Donc, moi, ça, j'adore. C'est un masque qu'il faut laisser poser 20 minutes. Et vous avez dedans. Alors, vous avez de l'argile dedans, du rasoul. Vous avez des argiles glaciaires, de la poudre de feuilles de moringa, du sel de rose d'Himalaya, du cacao, du charbon de bois, des extraits d'écorce de sol blanc, des extraits de chia, des extraits de racines de bardane, des algues, de la spiruline, l'acide hyaluronique, de l'huile de zeste de citrus. Voilà, du géranium rose, de la lavande, voilà, il y a plein de belles choses dedans et franchement, j'ai très très hâte de l'utiliser. J'adore cette marque, c'est une très 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 jolie marque. Voilà, donc le petit machin là, il s'est collé, non, normalement c'est comme ça, vous voyez, trop trop beau.
j'adore. Avec la petite cuillère doseur, c'est très très bien. Et j'ai acheté tous les nettoyants pour le tous les soins du visage l'année dernière de la marque Ococo. Et j'avais jamais testé les masques et bon bah voilà, j'avais envie d'en prendre un. Profiter des moins de 15% pour tester. Ensuite, j'ai repris mon shampoing favori. J'avais envie de changer, de prendre un nouveau shampoing pour changer. Mais je l'aime tellement celui-là. Il sent tellement bon, il nettoie très 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 bien les cheveux. C'est un shampoing hydratant. Alors, je me demande si c'est celui-là que j'ai. En fait, de toute façon, c'est cette marque que j'ai. Mais là, je pense que c'est un autre. Celui-là, il est hydratant. Et c'est pas la même odeur. Celui que j'ai à la maison, en fait, il sent les agrumes et j'adorais l'odeur. Celui-là, il est hydratant. Donc, je pense que, de toute façon, pour l'été, c'est ce qu'il faut. Il est, voilà, c'est un masque de la marque Evolve. C'est une très belle marque. Franchement, c'est des shampoings qui sont green et qui sont vraiment, qui nettoient très très bien les cheveux. Moi, je sais que je peux tenir. Bon, là, il fait chaud, c'est sûr que je me lave les cheveux plus souvent. Hein. Mais sinon, franchement, j'arrive à tenir 4 jours sans me laver la tête en hiver. Et c'est super, j'adore. Franchement, c'est une très belle marque. Ensuite, j'ai voulu prendre. Alors, c'est une marque aussi que je connais. J'ai déjà un nettoyant de cette marque. C'est la marque The Body Daily. Voilà. J'ai le nettoyant melon que j'adore. Et là, c'est le nettoyant à la. Donc, c'est un nettoyant à la sauge. Ça se présente comme ça. Et j'aime beaucoup cette marque. Je la trouve pas très chère par rapport à d'autres produits. Et je trouve que ça nettoie bien le visage, mais sans la déshydrater. Donc, je trouve ça super. J'ai pris celui-là. Celui-là, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas acheté. J'achète depuis longtemps celui au melon, qui est très très bien. Je l'adore. Et même en hiver, celui au melon, il est génial. Ça sent très bon, ça sent très, c'est très frais, c'est très agréable. Alors vous avez des antioxydants, c'est une solution aqueuse de romarin, de lavande, de rose, d'ortie. Il y a du sel de mer, de la farine d'avoine, de la baume de xanthane, de la vitamine E, de la vitamine C, du jus d'orge. Ah, moi j'adore ces compositions, je trouve ça trop agréable. Du jus de pissenlit, du jus de chou frisé, des épinards, de la spiruline, des algues, du thym, de l'huile de rose, de l'onagre, de l'huile de graines de carotte, des huiles essentielles de sauge, de pamplemousse rose, enfin bon, du manuka, de l'huile essentielle de manuka, de la menthe poivrée, du citron, enfin je veux dire de l'ylang ylang, bah les compositions elles sont folles dans cette marque. Et je trouve pas que ce soit très très cher par rapport à d'autres produits, j'adore franchement, c'est voilà. Et donc là pour l'été, ça va être parfait aussi pour bien me purifier la peau, j'adore. Ah bah c'est génial, vraiment je vous conseille cette marque, elle est super. Vous avez des nettoyants pour le visage, des masques, il y a un masque au miel aussi que j'avais déjà acheté qui est génial. Et moi j'adore ces produits. Et j'ai commandé aussi un autre nettoyant. Moi, j'ai fait le plein de nettoyants parce que c'est vrai que bon, j'ai aussi ma fille qui s'en sert, donc on est toutes les deux et ça part plus vite en fait. Alors, donc là, vous avez un autre nettoyant au grain de beurre. Vous avez dedans de l'eau ionisée, solution aqueuse de romarin, de lavande, de rose, d'ortie, de myrtille, de fruits d'açaï, des extraits de tamarin, des extraits de glucose, de la farine d'avoine, de la gomme de xanthane, de l'acide lactique, de la citrine, enfin voilà, des racines de radis. Voilà, encore une fois, un super ingrédient. L'odeur fait pas rêver, hein. C'est pas, ça fait pas du tout rêver. Mais voilà, c'est un nettoyant pour le visage et j'adore cette marque. Voilà, je voulais vraiment m'acheter d'autres nettoyants, des bons nettoyants green qui purifient bien la peau mais sans la déshydrater. Ça, ces produits là, ils sont géniaux pour ça. Ensuite, j'ai ici là un. C'est de la marque Body Daily, c'est un light facial émulsion. Et ça, c'est Julie qui me l'a offert. Merci beaucoup, Julie, c'est gentil. Donc, c'est light facial émulsion. Ça se présente comme ça.
pour le visage. Je ne connais pas du tout ce produit, donc je vais le tester. Donc c'est une lotion faciale qui convient à tous les types de peau, de normale à grasse, qui va hydrater quotidiennement la peau. Texture très légère qui peut être utilisée tous les jours comme la nuit. Vous avez des feuilles d'olive, des graines de carotte, du cresson, du thé vert, des acides salicyliques, du magnésium, du cuivre. Ça a utilisé en fait matin et soir. La liste est super longue. Ça a l'air super. Voilà, je vais tester ça avec grand plaisir. Je vais laisser au frigo. Je laisse tous mes soins au frigo parce que là, vraiment, il fait une chaleur folle. Et merci beaucoup, Julie. J'ai hâte de le tester. C'est super. C'est très gentil. Ensuite, j'ai eu envie d'acheter trois produits de la marque Rachel Plan B. Je voulais tester en fait l'huile démaquillante pour le visage qui se présente comme ça. Donc c'est une très belle marque. C'est une huile démaquillante pour le visage. Là, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a plusieurs youtubeuses qui l'ont testé, qui le trouvent très très bien. Donc ça démaquille tout le visage. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les yeux, il n'y a aucun problème. Voilà, l'odeur est assez agréable, donc j'ai hâte de le tester. Voilà, donc mon nouveau démaquillant pour le visage. Super. Et donc, Rachel vient de sortir un nouveau savon pour nettoyer le visage, qui se présente comme ça. C'est un savon saponifié à froid. Et dedans, vous avez de l'huile d'olive, vous avez du mabassou, de l'aloe vera, du beurre de graines de manguera, du beurre de graines de tournesol, enfin il y a encore une fois il y a plein d'ingrédients. Donc c'est un savon pour le visage qui se présente comme ça. Ça sent les agrumes, ça sent très 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 bon les agrumes. Voilà, donc j'avais envie de tester ces produits. J'ai testé un nettoyant liquide pour le visage de la marque une fois, et j'avais acheté une huile pour le corps hydratante qui était vraiment très très bien aussi. C'est une très belle marque, j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien, et j'avais envie de, c'est vrai que j'avais envie de tester un savon pour le visage. On va voir ce que ça donne. Ce sera pour moi et pour ma fille aussi. On va s'en servir toutes les deux. Donc là, j'ai vraiment fait le plein de nettoyants pour le visage. Il m'en fallait de toute façon. Je voulais aussi acheter un savon qui se présente comme ça. C'est un savon pour le corps. En fait, Rachel Plan B a créé un savon pour un petit garçon qui s'appelle Arnaud, je pense que c'est Arnaud, et en fait c'est un petit garçon qui a un problème, d'après ce que j'ai compris, un problème génétique, et Rachel a créé ce savon pour pouvoir lui permettre de s'acheter une chaise électrique pour qu'il puisse se déplacer et pouvoir avoir une vie plus agréable. Donc voilà, donc tous les bénéfices de ce savon vont directement à ce petit garçon. J'avais envie de participer, et il est là. Je suis très contente de l'avoir fait. Et là, il se présente, ils sont quand même assez gros les savons de Rachel. Et il sent merveilleusement bon aussi. Voilà, écoutez, je suis très contente de l'avoir acheté. Et en plus, il sent super bon, donc tout va bien. J'ai racheté mon petit mascara pour les yeux de la marque Ilia. C'est un mascara que j'adore. Je l'adore. Voilà. J'en ai deux que j'aime beaucoup. Là, tout de suite, j'ai aussi celui de 100% pur qui est très, très, très bien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup sa tenue. C'est un très très beau produit, franchement. Il n'est pas waterproof, il n'y a pas de mascara waterproof, mais par contre, moi je trouve qu'il a une très bonne tenue, il fait de très jolis cils. Bon, là c'est celui de 100% pur que j'ai utilisé, et il est génial. Moi, j'en avais un autre, mais je l'ai donné à ma belle-sœur pour qu'elle le teste, et du coup il fallait que j'en recommande un autre. Donc celui-là, c'est vrai que je ne m'en passerai pas, quoi. Il est vraiment très très bien. J'ai reçu un petit échantillon de gel hydratant à l'acide hyaluronique de Tata Harper. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. C'est une très très jolie marque. Et puis,
j'ai un petit sachet avec des petits échantillons. Alors là, c'est, je sais pas, c'est une huile pour le corps. Neige bourdol, enfin je sais pas. Donc il faut que je regarde sur ce que c'est. Il faut que je regarde sur internet ce que c'est. Ouais, je pense que c'est une huile pailletée pour le corps. Il faut que je regarde aussi parce que c'est, vous voyez, c'est assez irisé. Et là, c'est Herbivore Jasmin Toner. C'est un toner au jasmin. Voilà. Ça, j'aime beaucoup cette marque, Herbivore aussi. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud dans ma pièce. Ça sent très très bon le jasmin. Voilà, voilà, d'eau au jasmin. Voilà pour ma petite commande. Ben écoutez, il y a un autre petit masque là. C'est un, oui, ben, c'est un masque floral. Celui-là, j'ai déjà testé une fois. Je l'aime beaucoup, de Tata Harper. Il est vraiment bien. Faudrait que je me le commande. Et il est vraiment très très bien ce masque, je l'aime beaucoup. Voilà pour ma petite commande de chez Julie. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis tout en neige. Il fait, je sais pas comment il fait dans cette pièce, mais il fait super chaud. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et à toutes. Bisous.